Bonjour à chacune et à chacun, mesdames et messieurs les maires et présidents du pôle métropolitain Loire-Bretagne, monsieur le président de l'Eurométropole de Strasbourg, cher Jean-Pierre Hermann, mesdames et messieurs les élus communaux, intercommunaux, départementaux et régionaux, mesdames et messieurs, chers amis. Je suis absolument ravie d'ouvrir ce matin ce colloque important avec vous. Vous êtes très nombreux à avoir répondu à notre invitation. Nous en échangeons à l'instant avec Emmanuel Coué et Nathalie Appéré, plus de 500 inscrits pour un colloque sur ce sujet. C'est dire si la question mobilise, si la question intéresse. Que ce soit en tant qu'élus, fonctionnaires territoriaux, universitaires ou acteurs du territoire, je veux vraiment remercier toutes celles et tous ceux qui ont accepté d'intervenir dans cette journée. Je remercie évidemment les associations qui soutiennent le réseau des pôles métropolitains. Je pense bien sûr à France Urbaine, mais aussi à l'Association des communautés de France et à la Fédération nationale des agences d'urbanisme. Le partenariat, vous l'avez rappelé, c'est aussi celui qui s'est noué avec l'IEP de Rennes, qui organisait hier une journée scientifique en préambule de notre colloque. Enfin, les agences d'urbanisme ont contribué à notre réflexion au travers d'une publication que je tiens à souligner. Hier soir, se tenait enfin à Nantes la rencontre nationale du réseau des pôles métropolitains. Je crois que cette diversité d'acteurs est le signe que nous sommes dans un moment de questionnement collectif et de réinvention de la place des territoires dans notre pays. Ce colloque, nous l'avons justement pensé comme un moment de réflexion collective autour de ce que nous croyons être une réflexion féconde, une solution féconde pour porter en quelque sorte un nouveau modèle de développement territorial, l'alliance des territoires. Avec Brest, Rennes, Angers, Saint-Nazaire, nous sommes absolument convaincus que l'avenir de la France s'invente dans les territoires, dans tous les territoires, dans la diversité de ces territoires. C'est pourquoi nous mettons en œuvre des coopérations à toutes les échelles. C'est ce que nous faisons à l'échelle de nos métropoles, dans nos coopérations avec les départements, les régions, mais aussi au sein du pôle métropolitain Loire-Bretagne. Et dans le même temps, ces coopérations, elles ne sont pas un but en soi. Elles ne sont efficaces que si elles nous conduisent réellement à faire ensemble. Ce faire ensemble, c'est pour moi finalement l'idée centrale de cette notion d'alliance des territoires. Faire ensemble, c'est dépasser l'incantation à la solidarité, à la cohésion, au vivre ensemble. C'est refuser l'idée même que certains territoires seraient légitimes à faire la leçon à d'autres, au motif qu'ils seraient plus peuplés, plus riches ou plus puissants. Faire ensemble, c'est accepter de dépasser les frontières dans nos territoires politiques ou administratifs pour les considérer d'abord comme des entités organiques, où habitants, idées, richesses circulent avec force, intensité, créativité et inventivité. Il est essentiel pour nous de prendre en compte ces circulations parce que nos territoires sont en mouvement. Je crois que cette idée, elle rejoint profondément le sens originel de la décentralisation. Décentraliser, c'était d'abord, et j'espère que c'est toujours, faire confiance aux territoires, à leurs élus, aux acteurs, aux citoyens, une confiance qui se matérialise par la liberté qui leur est donnée, dans les champs de compétences qui sont les leurs. Cette liberté, c'est celle de déployer une stratégie autonome, une stratégie au service d'un territoire, au service des habitants pour travailler, bâtir à partir de nos atouts, de notre singularité, l'intérêt général. Or, nous vivons aujourd'hui une période de profonde mutation, de mouvement profond. Chacun le sent, chacun le vit, chacun y est confronté, là où il est, dans l'exercice de son métier et de ses responsabilités. Bien sûr, les questions se posent différemment, selon les endroits, mais les défis restent les mêmes. Cette période, elle soulève évidemment des inquiétudes, mais je crois qu'elle offre aussi de réelles opportunités. Et c'est à nos territoires de déployer des stratégies pour y répondre, parce que nous sommes des laboratoires de solutions et d'expérimentations. Sur des sujets aussi essentiels que l'aménagement urbain, l'emploi, les transports, l'éducation, l'énergie, la solidarité, la culture, des solutions émergent quotidiennement et nous devons être capables non seulement de nous en saisir,
mais aussi de les mettre en mouvement, de leur donner un cap, de favoriser le dialogue constant avec les citoyens. Nous avons là finalement la possibilité d'imaginer des utopies réalistes. Et je crois que c'est bien une des forces de nos territoires. Incarner dans des solutions concrètes, pragmatiques, issues du terrain, ce qui peut permettre de forger collectivement un projet de société. Pour cela, nous devons passer de territoires qui déploient des politiques publiques, parfois les uns à côté des autres, dans les pires des situations, parfois même les uns contre les autres, à des territoires qui font ensemble. Il faut partager les responsabilités, faire réseau à toutes les échelles. Cela dépasse donc la seule question de la cohésion des territoires. Bien sûr, la solidarité, l'équité sont des questions importantes. Bien sûr, il faut penser la juste répartition des richesses entre les territoires pour garantir l'unité nationale, pour éviter que ne se creusent de nouvelles inégalités. Pour autant, cela ne peut pas être notre seul horizon. Car nos territoires ne sont pas simplement des briques colorées qu'on empilerait les unes par-dessus des autres. Elles sont d'abord des palettes de couleurs qu'on mélange pour faire projet en mouvement, pour faire société ensemble. C'est la première raison majeure pour laquelle je crois qu'il est urgent, et c'est un des messages qu'ensemble nous avions envie d'adresser ce matin, de cesser cette opposition stérile et caricaturale entre les territoires. Dans notre société de l'information rapide, via les chaînes d'information continue, via les réseaux sociaux, Twitter, on parle en quelques signes, on oppose souvent territoires urbains, périurbains et ruraux. Certains ont fait de cette opposition leur principale grille de lecture, leur principale grille d'analyse. Mais quand on est un élu de terrain, quand on est agent du service public local, on sait que ces oppositions ne correspondent pas à nos réalités. On sait que ces oppositions sont bien trop réductrices. Que ce qui caractérise la France, c'est d'abord la diversité de ses territoires. J'insiste sur cette diversité car je crois qu'il y a parfois le même sentiment d'exclusion de la promesse républicaine chez un jeune qui a grandi dans un quartier politique de la ville que chez un jeune d'un territoire rural qui a vu, année après année, disparaître des services publics. Alors oui, c'est vrai, il y a dans le monde et en France une montée en puissance du fait métropolitain. C'est une réalité française, européenne, mondiale et qui va continuer. Oui, les métropoles concentrent des hommes et des femmes, des richesses, des activités, de la créativité, du potentiel. Cette concentration, elle donne à nos métropoles une responsabilité particulière. Pour ne pas devenir une forme de captation. Pour cela, les métropoles doivent reconnaître qu'elles ne sont pas des îles qui seraient isolées du reste du pays, qu'elles tirent d'abord et aussi leur force et leur dynamique des territoires proches. Pour cela, nous avons la responsabilité de créer des liens, de créer des interactions, de favoriser la réciprocité et les complémentarités. C'est cela, ce que j'appelle l'alliance des territoires. Une alliance profondément renouvelée, fondée sur le dialogue, avec un objectif qui est double. Améliorer le quotidien de nos concitoyens, quel que soit le territoire dans lequel ils évoluent, et préparer l'avenir. En pensant la transversalité des questions, mais aussi des échelles. Cette alliance, elle doit véritablement être capable de mettre en mouvement des énergies plurielles. Alors, pour cela, vous le savez, nous avons un certain nombre d'outils. Intercommunalités, pays, pôles métropolitains sont autant de dispositifs institutionnels qui nous donnent cette possibilité de travailler ensemble sur des champs de compétences variés. Mais les outils ne sont rien sans la vision stratégique qui les anime et les projets qui en découlent. Cette vision stratégique, c'est d'abord celle des interdépendances. Car les transitions qui impactent le monde d'aujourd'hui, qui viennent bousculer les habitudes, les représentations, les actions, ces transitions écologiques, numériques, démographiques, démocratiques, économiques, elles sont interdépendantes les unes des autres. Ces interdépendances, nous les retrouvons dans les territoires,
Chaque élu local, chaque agent sait bien qu'on ne pense pas un projet de manière segmentée. Il n'y a pas d'un côté ce qu'on fera en matière d'éducation, de l'autre ce qu'on fera en matière de sécurité, de l'autre ce qu'on fera en matière de transition écologique. La capacité à faire transversalité, c'est bien la capacité à faire projet en cohérence pour mettre en mouvement nos territoires. Ces enjeux et les acteurs sont donc intimement liés. C'est la raison pour laquelle nous cherchons constamment ici à faire réseau. Et à faire réseau qui nous permettent de porter du sens. Je voudrais illustrer cette idée par quelques exemples concrets dont mes collègues maires et présidents des villes de l'Ouest vous parleront sûrement plus en détail tout à l'heure. Je pense à Brest et au contrat de réciprocité conclu entre la métropole brestoise et le pays du centre-ouest Bretagne autour des questions de santé, de culture, de développement économique, d'énergie, d'environnement, pour enrichir le développement des deux collectivités. À Rennes aussi, chère Nathalie, cher Emmanuel, ces complémentarités et ces interdépendances, je le sais, ont été pensées notamment sur la question des mobilités. En prenant appui sur le pacte métropolitain d'innovation, la métropole rennaise a développé le faire ensemble sur les questions en pensant notamment le covoiturage, l'autopartage, l'interconnexion des transports au sein du système urbain local. D'ailleurs, Rennes n'avait pas attendu le pacte État-métropole. Oui, parfois nos territoires ont un petit peu d'avance, nous nous en réjouissons, pour mettre en place, avec la région Bretagne et le département d'Ille-et-Vilaine, la carte Corrigo destinée justement à favoriser l'intermodalité entre les réseaux urbains, interurbains et le TER. À Angers, pour prendre un autre registre, c'est la question des déchets, que la complémentarité entre les territoires urbains, périurbains et ruraux se matérialisent aujourd'hui. À travers le projet de Biopôle à Saint-Barthélemy d'Anjou, la question du traitement et de la valorisation des déchets est envisagée en interdépendance. Et puis bien sûr, permettez-moi de dire quelques mots de la métropole nantaise. Ici, cette idée de réseau, elle fait sens sur des enjeux transversaux. C'est l'idée directrice qui a présidé au grand débat sur la transition énergétique que j'ai voulu lancer avec les maires de nos 24 communes. 50 000 citoyens y ont participé. C'est bien la preuve que quand on dit que les citoyens ne s'intéressent pas à la chose publique, ce n'est pas la réalité. La question, c'est la capacité de l'offre publique à aller chercher les citoyennes et les citoyens. Ici, notre objectif, c'est de construire désormais une feuille de route partagée, en disant comment nous avançons ensemble sur ce sujet absolument déterminant pour l'avenir. Cette feuille de route, nous la pensons dans cette optique d'alliance des territoires. Et des pistes de réflexion émergent déjà. L'idée d'inciter demain les Nantaises et les Nantais à prendre des parts dans des champs d'éoliennes dans le périurbain, par exemple. Ou encore cette question d'alimenter les chaufferies urbaines en bois local. Autant d'interactions réciproques qui valorisent la diversité de nos atouts. J'ai voulu partager avec vous d'emblée ce matin ces actions concrètes pour vous dire que non, l'alliance des territoires, ce n'est pas simplement un concept théorique. Non, l'alliance des territoires, ce n'est pas simplement un choix de positionnement stratégique des élus du Grand Ouest qui disent oui, ici, dans cette partie du pays, nous avons des choses à dire sur le sujet. Si nous avons des choses à dire, c'est d'abord parce que nous avons des choses à montrer. C'est d'abord parce qu'au quotidien, concrètement, à travers ces exemples que j'ai évoqués, mais bien d'autres, bien plus nombreux, nous nourrissons ces sujets, nous partageons nos réflexions, nos solutions, mais aussi nos questionnements, nos hésitations, parce que je crois que dans un monde moderne, les pouvoirs publics doivent aussi être capables de partager avec humilité les questions qui restent devant nous. C'est aussi le sens des rencontres d'aujourd'hui. À Nantes, cette démarche, elle préside à la manière dont nous travaillons à la question alimentaire, avec le projet alimentaire territorial et la création, à l'occasion du transfert du MIN, nous avons à Nantes le deuxième MIN en France après Rungis, la création d'un pôle autour de ces sujets. Ce transfert, il sera effectif à la fin 2018 et notre volonté, c'est de travailler avec l'ensemble des acteurs, agriculteurs, industriels, chercheurs, restaurateurs, associations, et ce, avec le soutien de l'État dans le cadre du pacte d'innovation que j'évoquais tout à l'heure. Je crois que l'enjeu de la transition alimentaire est un de ceux où on voit le plus concrètement cette interaction entre les territoires urbains, périurbains et ruraux. Quand on pense ces sujets,
quand on pense la place que prendront ces sujets demain, qui sont à la fois déterminants dans les caps stratégiques que nous choisirons, mais aussi déterminants dans le plus petit dénominateur du quotidien des habitants, on voit bien que cela nous invite à repenser autrement les complémentarités entre nos territoires. Cette démarche, enfin, sur Nantes et Saint-Nazaire, elle a conduit à la création d'une agence internationale d'attractivité et de développement économique commune, Nantes-Saint-Nazaire, la CCI. Mon cher David, c'est de cette manière que nous travaillons ensemble aujourd'hui avec engagement. Nous sommes d'ailleurs alliés au sein d'un pôle qui regroupe aujourd'hui 5 intercommunalités. Permettez-moi de saluer chaque président de ces intercommunalités, 840 000 habitants. Au sein de ce pôle, ces alliances, elles sont nombreuses, fécondes, actives. Elles reposent d'abord sur une vision partagée de l'aménagement du territoire. Parce que nous avons la Loire en commun, ce fleuve qui est notre colonne vertébrale, mais aussi un vrai potentiel économique, environnemental. Nous avons décidé d'adopter une stratégie commune afin de favoriser un développement urbain équilibré et de freiner l'étalement urbain. Et puis bien sûr, cet estuaire, il est riche d'atouts, je l'ai dit, environnementaux, touristiques, et nous avons à cœur de le valoriser, que ce soit au travers des œuvres du voyage à Nantes qui parcourent cet endroit, ou de l'aménagement plus récemment des belvédères. Mais l'alliance des territoires, ce n'est pas uniquement l'alliance des métropoles et de leur espace proche. Sur certaines questions, c'est à une échelle encore plus grande qu'il nous faut travailler. C'est le sens du pôle métropolitain Loire-Bretagne. Je le rappelle, c'est le pôle le plus étendu aujourd'hui en France. Avec Nathalie Appéré, avec Emmanuel Coué, avec David Samzin, avec François Cuilandre, avec Christophe Béchu, nous faisons vivre ce pôle tout simplement comme le prolongement de notre travail au quotidien, d'abord, pour construire ensemble un développement équilibré du Grand Ouest, en investissant notamment les sujets de l'enseignement supérieur et de la recherche, et ceux de l'accessibilité. Cela passe par notre participation commune à un certain nombre de grandes manifestations internationales ou nationales, afin de valoriser collectivement les atouts du Grand Ouest. Toutes les actions que nous engageons, nous les pensons au bénéfice de tous les territoires du Grand Ouest, et pas simplement de nos métropoles. Cela n'aurait pas de sens, pas d'efficacité. Mais il serait évidemment étroit de penser que c'est la seule action des collectivités locales qui fonde l'alliance des territoires. Et cela, ça a été un choix important de positionnement du colloque. Nous n'avons pas voulu, dans ce colloque, donner simplement la parole aux élus, ni même aux équipes qui nous accompagnent. Nous avons voulu donner la parole aux acteurs de l'économie, aux acteurs de la santé, par exemple, parce qu'ils sont bien les premiers à faire vivre concrètement cette alliance des territoires. Quand les entreprises se localisent à la fois à Nantes et à Rennes, elles contribuent à l'alliance des territoires. Quand les usagers ne nous ont pas attendus pour s'organiser sur les réseaux sociaux, pour covoiturer entre Nantes et Rennes, entre Angers et Nantes, entre Brest et Rennes, c'est aussi une forme d'alliance des territoires, même si elle est d'abord née de la capacité d'initiative des citoyens et des citoyennes. Vous le savez bien, vous qui, au quotidien, chacune et chacun, travaillez avec les communes, les intercommunalités, les pays, les départements, les régions, mais aussi d'abord avec les acteurs et les citoyens. Notre travail, il repose d'abord sur des réalités, des pratiques, des attentes. Et notre mission, elle consiste à soutenir les initiatives, à le faire vivre. Cette alliance des territoires, ce n'est donc pas une énième forme de contractualisation entre les territoires qui viendrait réinventer ce qui se fait déjà sous une autre forme. Cette alliance, c'est réellement une philosophie, un état d'esprit, un choix de positionnement politique et stratégique. Cet état d'esprit que nous, élus, fonctionnaires territoriaux, acteurs du territoire, nous devons adopter dans la conception, mais aussi la mise en œuvre des politiques publiques, et également dans l'accompagnement des initiatives qui émergent dans nos territoires. Cette alliance, je crois qu'elle vient donner du sens à notre action d'élus locaux. Nous n'avons plus seulement la mission prioritaire d'aménageurs du territoire. Nous sommes aussi des animateurs de ces territoires. La capacité que nous avons à créer les conditions pour que des initiatives voient jour, pour que des réseaux puissent se développer, est absolument déterminante en travaillant sur nos points forts et en faisant attention à nos points faibles. Bien entendu, pour cela,
il faut que nous ayons une interaction, comment dire, positive avec l'État. S'il y a encore aujourd'hui en France une vision parfois trop jacobine, je suis convaincue qu'il faut là aussi dépasser cette opposition stérile entre jacobins et girondins. Nous avons besoin de l'État, et l'État a besoin de nous. Non pas dans un jeu de donnant-donnant où chacun chercherait simplement à préserver ses intérêts, mais dans une interaction bien comprise, au service des Françaises et des Français. Nous avons besoin d'un État garant de notre unité. Nous avons besoin d'un État stratège. Nous avons besoin d'un État qui assure les solidarités et l'unité nationale. Mais cette unité, elle tire aussi sa force de la diversité de nos territoires, de la diversité des territoires qui composent notre République et qui sont des vrais réseaux qui tissent de la solidarité chaque jour. L'État doit être un facilitateur de ces solidarités, garantir l'égalité des formes territoriales pour leur donner les moyens de faire émerger et de faire vivre le meilleur de ces potentialités, sans chercher systématiquement à dupliquer à toutes les échelles et sur tous nos territoires un modèle qui serait préétabli. C'est pourquoi l'Alliance des territoires est en quelque sorte protéiforme, qu'elle n'a pas vocation à se laisser enfermer dans un dispositif législatif ou dans un dispositif institutionnel qui finalement en assécherait les potentialités. Sa principale potentialité, je crois que c'est la capacité que nous avons de la mettre au service de l'égalité et de l'égalité réelle. Cette idée qui fait que ce joli mot n'est pas simplement une valeur qu'on inscrit au fronton de nos écoles publiques, mais bien quelque chose qu'on s'évertue chaque jour à rendre plus palpable, plus concret dans la vie du quotidien. S'allier pour faire avancer nos territoires, c'est essentiel. Mais si c'est s'allier pour faire simplement plus de croissance, je crois que cela n'aurait pas de sens. Si nous ne cherchons qu'à croître, démographiquement, économiquement, territorialement, nous ne réfléchissons pas aux conséquences de la croissance à toutes ces échelles. C'est selon moi tout le sens de cette alliance des territoires. Penser une croissance territoriale en réseau et non en cercle concentrique. Penser une croissance raisonnée qui profite à tous et à chacun, sans épuiser les ressources dont nous disposons, qu'elles soient naturelles, économiques, humaines ou culturelles. C'est conserver notre singularité, le fruit de notre histoire, de notre environnement, en misant sur les complémentarités plutôt que sur l'uniformité. C'est ainsi seulement que nous contribuerons réellement à créer plus d'égalité pour nos concitoyens, et je sais qu'ici nous y sommes collectivement attachés. Je crois que c'est une des façons de répondre aux transitions que nous vivons, en marchant sur nos deux jambes, l'une ancrée dans l'histoire et les atouts de notre territoire, l'autre en avant, qui recrée perpétuellement des liens à toutes les échelles. C'est dans cet état d'esprit que nous avons d'ailleurs pensé les ateliers de cet après-midi, que ce soit sur la question des déchets, de la mobilité, du tourisme. Nous avons voulu mettre en lumière ce qui émerge de nos territoires, mais aussi comprendre comment ces dynamiques peuvent parfois essaimer ou même changer d'échelle. Nous ne sommes plus au temps de l'expérimentation, nous sommes au temps du changement de modèle. C'est bien ça, l'ambition qui est la nôtre sur nos territoires. Alors cette alliance des territoires aujourd'hui, et je le souhaite encore plus demain, est une dynamique féconde. Dans cette période où un certain nombre de décisions tombent, semaine après semaine, parfois jour après jour, de Paris, de Bercy, je crois qu'il nous faut dire que c'est prendre le risque d'affaiblir cette dynamique des territoires. C'est aussi le sens de ce colloque. Un message, notre message, pour rappeler que cette dynamique, elle doit être comprise et donc accompagnée par l'État et non pas remise en cause. Pour moi, le principal sujet, c'est la capacité d'autonomie de nos territoires. Non, nos territoires ne sont pas de simples courroies de transmission. Oui, nos territoires ont la capacité à porter des projets stratégiques. C'est le sens du mandat qui nous a été confié par le suffrage universel. Alors, pour que nous puissions continuer à investir de sens, que l'avenir de notre pays continue de s'inventer dans, par et avec les territoires. Nous avons voulu collectivement construire ce temps d'échange collectif, ce temps de partage. Je vous souhaite vraiment à chacune et à chacun un très bon colloque, des échanges nourris, puis je souhaite que vous trouviez un tout petit peu de liberté pour avoir le temps de goûter à l'esprit nantais
l'esprit de Jules Verne, l'esprit de l'inventivité, l'esprit de la créativité. Ne soyez pas surpris. Si vous sortez de la Cité des Congrès, vous allez peut-être croiser un éléphant. Si vous revenez aux vacances de Noël, il sera remplacé par un cheval dragon. Et puis quand vous reviendrez dans quelques années, vous irez découvrir notre jardin extraordinaire avec un arbre extraordinaire. Je crois que ça aussi, ça fait partie de la force de notre territoire. Cultiver ce petit grain de folie, cette capacité d'audace, travailler à une stratégie de différenciation, parce que c'est important pour nos métropoles, mais conserver ce que nous sommes, ce qui fait l'âme et l'esprit de nos villes, de nos métropoles, de nos intercommunalités, de nos territoires. Merci à tous et un très bon colloque.